Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons commencer la méditation. Donc, installe-toi correctement à ton aise. Et nous allons commencer déjà par trois longues et profondes respirations, sans forcer. Commencez maintenant le voyage. Le voyage qui va t'emmener là où tu es déjà. À ta juste place. Un endroit. Qui ne peut pas être changé ou modifié. Un endroit de paix. Continue à prendre conscience de ta respiration. Et observe ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur de ton corps et à l'intérieur. Il y a du mouvement, comme des vagues. Il y a des fourmillements, peut-être. Suis les vagues, suis le mouvement, suis chaque variation. Regarde où t'emmène chaque sensation, dans quelle partie du corps. Ça peut être vers le ventre, la tête, le coude, les pieds. Quelque chose se meut à l'intérieur de toi. Peut-être est-ce une douce chaleur. Tu laisses cette sensation de mouvement s'amplifier. S'agrandir, s'étendre. À partir de son point d'origine, quel qu'il soit.
Tout ton corps est maintenant rempli de cette sensation. Une sensation qui te ramène à toi, dans ton aspect physique. Tu apprécies alors chaque coin et recoin de ton corps. Tu laisses. Tu laisses la sensation te faire découvrir ton corps. Les zones de détente, le squelette, les organes, le sang qui circule. Tu n'es plus que sensation, que mouvement, que vie. Tout le corps fourmille, vibre. Jusqu'à la plus petite cellule. Tu es la vie. La vie est en toi. Et tu es au cœur de la vie. Et cette sensation t'amène au-delà de la cellule, au-delà du plan de ton corps. Il y a quelque chose qui circule silencieusement. Mais puissamment. Comme un champ d'information, d'énergie, comme un vide. Et ce champ d'information qui n'a ni début, ni milieu, ni fin,
compose. Compose tout ton corps. Ce champ d'information est le pilier sur lequel la vie est possible. Ton corps n'a alors plus de forme. Plus de direction. Il n'y a alors plus de haut, plus de bas, plus de gauche, ni de droite. Quelque chose se vit et ce quelque chose n'a pas d'origine ni de futur. Il n'y a que la sensation d'être. Qui reste alors? Et tu te déposes ainsi, dans ce grand silence. Te laissant fondre en lui. Tu es ce silence. Tu te respires en tant que tel. Tu te vis en tant que tel.
Je te laisse alors bercer par ce chant du silence. Le temps n'est plus. Tu es et existes au cœur de ce non-temps. Tu es une existence absolue, hors du temps, de l'espace, des concepts et des sensations. Aucune histoire ne se raconte. Petit à petit, quelque chose se met en mouvement. Quelque chose se différencie. Quelque chose se sépare de cet absolu silence. De cette paix. Une goutte d'agitation. Une première histoire. Une conscience primordiale. Qui dit et vit je. Et à chaque pensée de ce jeu, un monde se crée ou se détruit.
Et c'est maintenant. La vie et ses innombrables histoires qui sont autant d'aventures que ce jeu est en train de créer maintenant. Et la première histoire se nomme Je suis. J'existe de manière individuelle et séparée. Et chaque pensée, chaque idée qui suivent ce je suis crée tout un univers et se matérialise, se donne corps, se fait matière. Ce que tu nommes mon corps. Mon esprit, ma vie, mon argent, ma famille, ma maison n'est qu'une de ces innombrables histoires. S'agite et s'entrechoque. Chacune d'elles est une pure fiction. Une histoire. Que tu goûtes et expérimentes physiquement. Il y a alors deux états qui sont vécus. Un état d'agitation dans lequel des milliards et des milliards et des milliards d'histoires sont en train de se raconter et de se vivre matériellement. Et un état d'immobilité, d'éternité. Qui existe au-delà de toutes les histoires.
Tu es ce regard. Qui observe le film se dérouler devant ses yeux. Et tu prends plaisir à chacune d'elles. Et au cœur de chacune d'elles, tu es pleinement vivant, car faisant partie de cette vie, de cette agitation, de cette merveille, tu laisses cette vie fleurir, croître, exploser, se perpétuer encore et encore. Ce que tu es, au-delà de tout, est une lumière éternelle, immobile, infinie, qui, de son doux regard, observe tout cela. Chacune de ces histoires permet que tu te connaisses. Que tu te découvres et d'être te dévoile.
tu respires tout cela.